FarmStar est un service pour les agriculteurs qui leur permet de piloter leur culture de blé, d'orge, de triticale et de colza, et bientôt l'année prochaine de maïs. FarmStar est né donc du couplage entre l'imagerie satellite, donc une image qui va permettre de mesurer des variables au champ sur des petites zones de 20 mètres sur 20 mètres. Et cette information est couplée à des modèles agronomiques, à de la météo et à l'information autour de l'itinéraire technique de l'agriculteur pour donner des conseils directement applicables sur la parcelle. Par exemple, une dose d'azote à appliquer en fonction des zones sur le champ. Et si l'agriculteur est équipé, il peut aller jusqu'à moduler de façon automatique, donc avec un épandeur et une console, cette dose d'azote. Aujourd'hui, FarmStar compte 16 000 agriculteurs abonnés au service. Donc l'agriculteur peut économiser jusqu'à 40 euros par hectare en azote et peut avoir aussi dans certains cas des gains de rendement qui peuvent aller jusqu'à 48 euros par hectare. Il doit en déduire donc le prix de son service. Le prix conseillé agriculteur est autour de 15 euros. Donc si un agriculteur veut s'abonner à FarmStar, il doit prendre contact avec sa coopérative, sa chambre d'agriculture ou son négoce. Et donc l'abonnement va se passer pendant l'hiver. Donc il va fournir aux techniciens de la coopérative les informations sur sa culture, donc par exemple la variété qu'il a semée, sa date de semis, et il va tracer le contour de sa parcelle pour pouvoir la localiser. Ensuite, une fois qu'il est abonné, il va recevoir toute une gamme de conseils durant le cycle de sa culture.